and sisters. Une fois encore, chers frères et sœurs. And everyone, everywhere, this is part 2 of God's healing of the land. Pour tout le monde et partout, c'est la partie 2 de notre thème que nous prenons, Dieu guérit la terre. And we have told everyone last program that in part one that. Et en première partie, nous avons dit à tout le monde. Et la pagbantoa mi blona mesia me bena. God is merciful. Dieu est un Dieu de bonté. Maula enye domenyoto. And in 2 Chronicles chapter 7 verse 13 to 15. Et de, dans 2 Chroniques 7 du 13e verset au 15e. Et le chronique velia ta adre pipuye ton pa ya ton liamala. He has given a promise in time of turmoil. Et il nous a fait une promesse concernant les moments difficiles. We are reminded that it is our ways of wickedness that have landed us many times into serious problems. Et c'est notre méchanceté, c'est la méchanceté du genre humain qui nous a amené dans des problèmes bon nombre de fois. Et donc, vous dites maintenant, si vous êtes là, vous êtes tombé. And now it is the same thing even in this time. Et c'est la même chose qui se répète actuellement. But before all this started, mais avant que tout cela ne commence, I'm telling you that God has already spoken to many of his children in various parts of the world. Dieu a au préalablement parler ou annoncer ces choses à ses enfants partout dans le monde. To prepare. Pour qu'ils se préparent. And he gave us the answer. What to do? Et il nous a donné la réponse. Quoi faire? And so we prepare to face it, to do it. Et nous nous sommes préparés à faire face, à répondre à ces ententes. Et mi diago bena nya wo musije. We don't need to come on the air in the media and pose ourselves that we are high prophets and so we are prophesying. Why should we wait and die before we begin to boast of visions and prophecies? Pourquoi est-ce que nous allons nous réveiller, aller sur les médias, les réseaux sociaux, crier que nous sommes des prophètes, donner des prophéties? Est-ce que nous avons besoin de mettre la charrue devant les bœufs en prophétisant? Non. Mais il y a maintenant, il y a des mots pour moi, il y a des TV, il y a des religions maintenant. When I see today what is happening, quand je vois aujourd'hui ce qui se passe, and there are many people after it has happened, and then people are being destroyed before they started to see visions and receive prophecies. Vous allez être étonné de voir des gens que après que cette pandémie soit passée et que les gens soient décédés ou morts en grand nombre, ils diront maintenant qu'ils ont des visions, ils ont des songes et qu'ils vont prophétiser. So, what's the meaning of that? Quelle est donc la signification de toutes ces choses? And most of these visions and prophecies don't show any way of answer. Et ces prophéties et ces visions qu'ils ont eues ne contiennent pas en elles des réponses, des issues de secours ni de sortie. Et il y a un grand nombre de gens qui First, they are too late. We are already dead. Et nous sommes déjà morts. Ce sont des médecins après la mort. Nous sommes déjà morts. Yeah. So what are they telling us now? Et maintenant, qu'est-ce qu'ils viennent nous dire, nous raconter? Just to get a name or popularity, shut up all those who are lying to us because they have seen nothing. Et taisez-vous, honte à vous, taisez-vous parce que vous n'avez rien vu du tout. Maintenant les gens sont morts, vous voulez nous dire quoi?
Bena yo pon kolo, ala mo na jesi olo, be yo pon lo mi zidodui. Nou ka me pa me yo katan le limodo le ala padam na mi la mi zidodui. Because you have no answer. Parce que vous n'avez pas la réponse. And you are too late. Et vous êtes des retardataires. But all over the world, mais partout dans le monde, there are people here and there, small there, small there, that God has revealed to them and then has prepared them and showed them what to do before it all started. Il y a peu de gens, ça et là, partout dans le monde, à qui Dieu a révélé toutes ces choses avant que cela ne commence même. And at first, that's what we have started doing because God has shown it to us already before the year began. Et nous, c'est ce que nous avons commencé par faire depuis parce que Dieu, avant même le début de l'année, nous a révélé cela. We don't need to come and say we are great prophets, we have revelation, we have this, we have that. It's not necessary. Pas besoin de venir maintenant qu'il y a le problème sur les médias, sur les ondes, que nous sommes des grands prophètes, nous allons prophétiser. Nous n'avons pas besoin de ça. Pas besoin. Mais il y a bien des images, alors TV, alors rideau, ben là, maou de nuit, plein que mes familles, ben mes prophètes, gamin, la glorie, la gamin là, maintenant. Now the situation is this. Mais la situation est telle. Quand la zone nous mène si ben là. Men are wicked on the earth. Les hommes, les gens humains sont faibles sur la terre. And they are creating all kinds of wicked things around themselves. Excusez-moi, les gens humains sont tellement méchants et sont en train de poser des actes de méchanceté partout. For whatever motive, it fired back again. Onto themselves. Et pour tous les motifs qui les animent, quand ils posent les actes, les retombées viennent sur eux. Now we are suffering out of our wickedness. Et maintenant nous souffrons de notre propre méchanceté. But the loving God, as we told you last time in part 1 in 2 Chronicles chapter 7 verse 14, that God is saying that when all those things are happening, the condition is we humble ourselves, we pray, seek his face, and turn from our wicked way, the land will be healed. Et nous avons dit, partager avec vous la solution dans la partie A de notre message, et nous avons dit que l'unique solution, quand ces situations difficiles arrivent, c'est que nous devons invoquer Dieu, nous humilier, prier, chercher la face de Dieu, et nous détourner de notre voie, nos mauvaises voies, alors Dieu exaucera nos prières, guérira notre terre. And let me correct these erroneous thinking again. Et j'aimerais apporter une d'un petit changement dans nos mentalités erronées que nous avons. Et me dit ben la mort de vide. And that is to blame it on God. Et nous blâmons tous les jours Dieu. Oh, why should God allow this? Pourquoi est-ce que Dieu permet ceci? He says it's a loving God. Il dit que c'est un Dieu d'amour. Now, why do we blame God when we decide to kill ourselves? Mais pourquoi est-ce que nous accusons Dieu quand nous décidons de nous entretuer les uns les autres? Because of our pride that we are highly scientific and knowledgeable. À cause de notre fierté comme quoi nous sommes de grands scientifiques et nous connaissons beaucoup.
data bena minyunya la gao e minya mu kude nonchia. Even we, who gave us the wisdom, who gave us all the scientific discoveries and all those things. Mais laissez-moi vous poser la question, qui nous a donné la sagesse et les connaissances, qui nous a permis de faire cette découverte scientifique? Well, whether you believe it or not, I want to declare to you that the land belongs to God. Et God is the creator and everything that is in it. Que tu le crois, que tu l'acceptes ou pas, laisse-moi te dire ceci, Dieu est le créateur du ciel et de la terre et toutes choses qu'il renferme lui appartiennent. Kazoan, mpweso, mchipe magbele mena kofan bana, mawu toenya nyigba, e mawe wajipo kwa nyigba, kwa nusio katan leji. So, when we say we are making discoveries, what does that mean? It means the thing is there already before we discovered it. Only it was lost to us. We were ignorant of it. Et quand nous disons que nous avons fait des découvertes, laissez-moi vous dire que ces choses existent bel et bien, bien avant la création du monde. Ou bien avec la création du monde, nous n'avons juste pas eu connaissance. Nous n'avons pas découvert ces choses. C'est juste cela. So, the existence of those things have a responsibility. Donc l'existence de ces choses ont une responsabilité. And God is the one responsible. He is the creator. Et c'est Dieu lui-même qui est le responsable, le créateur de tout cela. And so, when we cannot honor him, and then we want to create a position for ourselves for him and be proud, and then use them in some wrong way to satisfy our selfishness, then we run ourselves into trouble. Alors pourquoi est-ce que nous ne devons pas l'honorer vu que c'est lui qui est le créateur de tout, mais nous cherchons plutôt les titres, nous voulons avoir de grandes positions dans la société comme quoi c'est moi qui ai fait ceci et cela, et en ce faisant nous nous mettons dans des situations difficiles et nous subissons les sorts. But thank God, God says that if we can humble ourselves and confess to him and change, he will hear our prayer, then he will come in for us and then heal us. Mais grâce soit rendue à Dieu parce que lui-même il a donné la solution que si cette situation arrive et que nous l'invoquons et que nous nous humilions et que nous prions, que nous nous détournons de nos mauvaises voies, lui-même il interviendra et apportera le secours et la guérison à notre terre. In the name of the Lord Jesus Christ, God is healing us right now. Et amen, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu nous guérit en ce moment. God is healing the land. Dieu guérit la terre. God is healing your home. Dieu guérit ta maison. God is healing your family, your everywhere. Dieu guérit ta famille et toutes choses qui te concernent. Oh Lord God, Seigneur, we have sinned as human beings against you. Nous avons péché en tant qu'êtres humains contre toi. We have created around ourselves in our pride things that we shouldn't have tempered with. À cause de notre grosse tête et de notre fierté, nous avons créé des choses mauvaises partout sur la terre. Le mien fait data là. It has now fired back upon us. Maintenant, nous subissons les retombées de ces choses. But we thank you that you have given us the grace
to be restored. Mais nous te remercions parce que tu nous as donné la grâce pour que nous puissions être restaurés. Because you are a loving God and your love exists forever. Parce que tu es un Dieu d'amour et cet amour subsiste à jamais. And thank you that you have turned your face again to the world. Merci parce que tu as encore de nouveau tourné ta face vers le monde. You have heard the prayers of the few people that are your children. Have faith in you that are living on the land. Tu as écouté les prières, les supplications de ce peu qui sont tes enfants, qui sont en train d'intercéder en faveur pour que tu puisses guérir la terre. You hear their prayers and your grace promise that you have promised will be executed. Et par ta grâce, tu as écouté leurs supplications ou nos supplications et par cette même grâce, tu as répondu à ces prières. And then you have begun to heal the land. Et tu as commencé par guérir la terre. We thank you that homes are healed. Nous te remercions parce que les maisons sont guéries. People health are restored. La santé des gens sont restaurées maintenant. Thank you. Merci. Thank you. Merci. Thank you. Merci. Dear brothers listening to me, chers frères et sœurs m'écoutant actuellement, because people have called upon the name of the Lord, parce que des gens ont invoqué le nom de Dieu, and God's grace come down to heal the land, forgive sins, et que la grâce de Dieu est descendue en pardonnant les iniquités et en guérissant la terre, what message again he gives us through the prophets. Regarde donc quel message il nous envoie à travers son prophète. These are biblical prophets that are real. Ce sont des vérités, des prophéties réelles venant de la Bible. So, if we build our lives upon these prophecies, we are building our lives upon truth. C'est pour cela, si nous basons notre vie sur ces prophéties bibliques et véritables et authentiques, nous basons notre vie sur la vérité. So, turn to us into the book of Joel. Donc, allons tous ensemble dans le livre de Joël. Chapter 2, from verse 21. De Joël 2 à partir du 21e verset. Ta vertu que tu blaves voir de Kélia. And see what God has for you, for me, and for the land from now onwards. Et nous allons voir que à compter de maintenant, quel est donc le plan de Dieu pour vous, pour moi et pour notre terre entière. Et mia pomi kanya mau betama dodo nanye nawo ple na anigbala kata. He said, "Fear not, O land, be glad, rejoice, for the Lord will do great things." Il dit ceci: terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Ben anigbama davo tu as essayé na be not afraid, even you beasts of the field, for the pastures of the wilderness do spring, for the tree bears her fruit, and the fig tree and the vine do yield their strength. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Elle a bien attiré
Be glad then, you children of Zion, and rejoice in the Lord your God, for he has given you the former rain moderately, and he will cause to come down for you the rain, the former rain and the latter rain in the first month. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Mision vio mi choaseye ne mi apodjijode Yehowa mi amawulangu elabena achochi jajairami anada chikle keleti na jade miadi abechan ene. Everyone who trusts God, ceux-là qui font confiance en Dieu and believe that there is a creator, et qu'ils croient qu'il y a, il existe un créateur, then come along with me, let us believe the biblical prophecy for our lives. Alors unissez-vous, joignez-vous à moi pour que nous croyons en cette promesse, en cette prophétie biblique. Then it will come to pass in your life. Et cela s'accomplira à coup sûr dans nos vies. I don't think it's necessary for you to throw away God's powerful prophetic word from the Bible to go and get a little bottle of oil as a prophecy for your life. Je ne crois pas que ce serait avantageux pour toi de déposer, de mettre de côté les véritables et authentiques promesses prophétiques de la parole de Dieu venant de la Bible et que tu ailles, que tu cours après une bouteille d'huile quelque part. Comme quoi, tu as là ta promesse. Oh, what an ignorant life. Quelle est donc cette vie ignorante? It is time. That is even something God is saying, that we should repent from, turn from those wicked and ignorant ways. Et à travers cette situation actuelle, Dieu nous interpelle à ce que nous nous repentons de ces voies méchantes de vie que nous avons. Et moi, le mien, on croit dans la banane. Nous m'ayons, nous bebrons, nous vendions, nous manions, nous manions, nous maola. Ni à terre, ni à l'occurrence, le bois, ni à trop d'immeuble. We are hurting our own lives. Nous sommes en train de nous blesser, notre vie, notre propre être. Because we are negligent to the true faith and the way in the word of God. Parce que nous sommes négligents vis-à-vis de la parole véritable et authentique de Dieu. See, it continues to tell us in Joel 2 from verse 21. Now we read verse 24 that. Nous allons lire le verset, continuer la lecture dans Joel 2, le Joel 2 à partir du verset 24. He said, and the floor shall be full of wheat, and the vat shall overflow with wine and oil. Il dit ceci, les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Et maintenant, nous avons le bopo fou. Verse 25 said, God said, and I will restore to you the years that the locust has eaten, the canker worm, and the caterpillar, and the palmer worm, my great army which I sent among you. Continuez par dire, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le djelek, le asile, le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Verse 26 says, and you shall eat in plenty and be satisfied, and praise the name of the Lord your God, who has dealt wondrously with you, and my people shall never be ashamed. Le verset 26 nous dit, vous mangerez et vous vous rassasirez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Verset
amasi wonu kunu de miangula kwenko eye nguma dakpe nye duko akpo gbede o. God repeats again in verse 27 and said, you shall know that I am in the midst of Israel and that I am the Lord your God and none else. And my people shall never be ashamed. Et Dieu répète ceci dans le verset 27 comme quoi, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et ma ou d'agbre a ke le di vava adre le me bena, et yem ya jesi ben, me le Israël dume, nye nye Yehoa, nye ma ou la, de kama kbede ou nye o. Are you ready to trust God and share in the blessings of His promises? Es-tu prêt à faire confiance à Dieu et avoir pour partage les bénédictions de sa promesse? If you doubt it and you don't trust in Him, you will see it, but I'm sorry, you may not enjoy it. Et si tu es douteux, si tu es dubitatif, laisse-moi te dire ceci, tu le verra venir vers toi, mais tu ne pourras pas en profiter de ces promesses de Dieu. God is healing the land. Dieu guérit la terre. And He's restoring all those things that have been destroyed through all these wickednesses and the things have come around us. Et toutes ces choses qui sont détruites par la méchanceté de l'homme, Dieu est en train d'apporter une restauration partout. Et il m'a oublié de l'homme. And I want to tell you all the children of God that God says that you will not be ashamed. Et j'aimerais dire ceci à tous les enfants de Dieu que Dieu lui-même déclare que plus jamais nous n'allons être confus. The suffering is over because God Himself has stepped in, He's removing it. La souffrance est enlevée, est ôtée parce que Dieu lui-même est intervient maintenant. He's proving His love to us. Il nous prouve son amour. It is left to you and I to believe it. C'est maintenant notre responsabilité, notre devoir de croire en lui. Then I want to tell you one of the great prophecies that will happen in our time. Et j'aimerais te faire cette lecture concernant cette grande prophétie qui doit arriver à notre temps. After all these sufferings and turmoils that has happened, verse 28 tells us something. Après ce tumulte, après ce vacarme, après cette destruction qui a eu lieu, God said, it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your old men shall dream, and your young men shall see vision. Et le verset 28 nous dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Mais là, nous sommes en là, ma tronche est en là, à côté, nous sommes en train de dire. And also upon the servants and upon the handmaids in those days I will pour out my spirit. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Oh, from now onwards, there's going to be a great revival after all these troubles. Après tous ces troubles, ce serait un grand réveil. Many people who did not care about God will begin to seek after God. Des gens qui jadis ne regardaient pas Dieu, n'avaient pas foi en lui vont commencer par chercher Dieu. A great number of people will confess that Jesus Christ is Lord. Un grand nombre de personnes vont faire cette confession
que Dieu est le Seigneur. The Holy Spirit will pour out mightily and move mightily with signs and wonders and miracles, truthful miracles by the gospel. À travers la propagation de la bonne nouvelle de Dieu, le Saint-Esprit fera voir des prodiges et des signes un peu partout. Bon, quand que là accordé mon sœur à des hommes, mon sœur et il tout monde katamala disciple mkuno ajego. My brothers and sisters, I will have to end this one here. So, and then maybe another time we will continue. But I tell you, I will not miss that grace revival, and I don't want you to miss it. Et chers frères et sœurs, j'aimerais m'arrêter ici. Peut-être en d'autres séances, nous allons continuer. Mais je t'exhorte, je te demande à ce que tu ne manques pas à ce grand réveil spirituel qui viendra après cette pandémie. On a vu l'autorité en ce si la fille de Ongi et Yogona. N'y a pas pour nous couler un petit. Et comme je dis, je ne sais pas si je suis un grand ma défaut et yata, ouhan, ma défaut. Join it, join the faith, join that great blessing that will make you to enjoy the powerful move of God in your life and the restoration of all things. Joins-toi à la foi, joins-toi à cette puissance, à cette puissante effusion du Saint-Esprit de la foi chrétienne, joins-toi à cette promesse pour pouvoir avoir la restauration dont Dieu parle. Va garder forcément, va garder nos gaiements et y est nature ou des cartes à primer bena ou en ayant comment pour là le Christ alors bon. Your life will never be the same. Et ta vie ne sera pas, ne changera définitivement. Because God is true to His word. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. The Lord Jesus Christ bless you and be with you all. Que l'Éternel notre Dieu, le Seigneur Jésus, vous bénisse et vous garde partout où vous êtes. Jésus Christ, on est irami et on n'a ni pas plus ni t'attend. Amen. 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 God, that healeth me. You are the God.